Gilles Gare, alors, pour cette Africa Race, c'est une première pour vous et une autre association avec le Team Project. Oui, effectivement, pour moi c'est une première puisque je vais partir sur une autre, toute autre course autre que le Dakar, puisque j'ai fait trois Dakar en moto. Je vais partir donc sur l'Africa Race le 28 décembre au volant de ce Mitsubishi que vous avez derrière et avec un ami qui est Daniel Mouchard qui sera mon copilote et ami que je connais depuis très longtemps puisque ça a été un des premiers à me faire venir sur une manifestation pour porter mon projet, pour m'aider à communiquer sur mon projet. Donc là est venue donc l'idée du Team Project de s'associer à mon association, donc Team Gare en Dakar pour la vie et contre le cancer, pour continuer mon action et faire profiter mon association dans le futur. Daniel Mouchard, alors vous allez retrouver une fois de plus vos amours, enfin les amours, c'est-à-dire surtout Dakar, la ville de Dakar. Et si vous voulez expliquer un peu... Puisque tu poses la question, je te réponds. Moi, je suis un grand amoureux de l'Afrique depuis longtemps, puisque mon premier Dakar, c'est en 1997. Après, il y a eu quelques interruptions, mais heureusement, j'ai pu rejoindre à nouveau la caravane du Dakar, puis ensuite du Heroes Legend, et maintenant de l'Africa Race. Et de l'Africa Race cette année avec Gilles Gare, puisque tout le Team Project s'est mis à la disposition du Team Gare pour partir dans cette course et poursuivre en fait l'action qu'il mène maintenant depuis 4 ans. Voilà. Quels sont vos objectifs pour cette course ? Nos objectifs pour cette course, il faudra voir aussi avec Gilles, ben c'est la première fois qu'il va piloter un 4x4 puisqu'il a fait 3 Dakar en moto et ça sera la première fois avec un 4x4. Donc le but c'est d'arriver à Dakar et le but à tous les deux aussi c'est que j'essaye de lui faire profiter de mon expérience pour que tout se passe pour le mieux et que nous arrivions avec le véhicule intact à l'arrivée. Il est hors de question de parler de classement. Nous serons dans la série T2, il y aura beaucoup de monde, des gens très expérimentés. Enfin, nous verrons au fur et à mesure de la course. Ouais, et je vais rajouter, écoutez, moi je suis très content aussi de partir donc avec Daniel, puisque c'est quelqu'un qui a de l'expérience en tant que on va dire pilote et puis même copilote, qui connaît très bien l'Afrique, le Maroc. Donc pour moi qui ne connais pas ces terrains, qui ne connais pas aussi, qui n'a pas d'expérience dans le 4x4, j'ai tout à apprendre. Et puis je pense que la course, on la déroulera au quotidien et puis on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, on verra au moment voulu si on peut faire quelque chose sur la course. Mais bon, bien entendu, le but c'est d'arriver tous ensemble entiers, que ce soit les véhicules et nous à Dakar.